C'est la belle histoire du moment en équipe de France. À 29 ans, Rémi Thalès sera titulaire face aux Blacks au poste convoité de demi d'ouverture. Après avoir connu durant de longues années la Pro D2, il sort d'un titre de champion de France top 14 avec Castres, une ascension fulgurante qui ne surprend pas son entourage. On sentait bien qu'il avait les épaules pour jouer le très très haut niveau et qu'entouré de très bons joueurs de très haut niveau, ça allait l'aider encore un peu plus dans ses performances et dans sa progression. Je lui ai dit, voilà, c'est honneur quoi. C'est honneur, c'est maintenant. Ferrarissime, demain ce sera la troisième sélection et le troisième match de Thalès face aux Blacks. Le Castrais compte bien profiter de cette opportunité pour viser toujours plus haut. J'ai la chance aujourd'hui d'être appelé à l'équipe de France et voilà, je me dis que la Coupe du Monde elle est dans 2 ans et que c'est pas loin. C'est vrai que dans un petit coin de la tête, voilà, on aimerait participer à cette aventure parce que je pense que pour tout joueur de rugby déjà, pour être l'équipe de France c'est fabuleux, mais en plus faire une Coupe du Monde, je pense qu'il n'y a pas mieux, donc c'est vrai que forcément quand on fait partie des 30 aujourd'hui, voilà, on espère y rester. Découvert sur le tard, reste à Rémi Thalès de s'imposer en bleu à ce poste clé où aucun titulaire ne se dégage actuellement.